les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui Ava Baya. Bonjour Ava. Bonjour. Vous êtes comédienne, chanteuse. Si vous le voulez bien, on va essayer de retracer un petit peu votre parcours. On vous reçoit à l'occasion du festival L'Horizon fait le mur. Alors déjà, quelles sont vos premières impressions sur ce concert ou comment on se sent après un concert ? Eh ben, excitée, envie de recommencer tout de suite et de donner plus. le public était là, c'était le début du festival. Oui, donc, vous avez ouvert le festival. On a ouvert voilà, le festival. Donc les gens étaient un peu timides à avancer, à approcher. Mais en même temps, je crois que bon, mon concert se regarde tant assis que debout. Donc c'était pas dérangeant. Je suis super reconnaissante d'être là, de pouvoir continuer à faire de l'art et voilà, super heureuse. Vous êtes une habituée des planches, vous faites du théâtre. Vous êtes partie 3 ans en tournée avec une pièce, Désobéir. Oui. Alors, comment vous êtes arrivée au théâtre ? Par un cri, je dirais. C'est à la sortie du lycée, une période de trouble. Je devais faire Sciences Po. Voilà, c'était dans mon idée, c'était vraiment de faire de la politique, de faire quelque chose, de marquer le temps, la génération. Finalement, pas du tout, pas du tout. Je me suis inscrite dans un cours de théâtre. Je ne sais pas ce qui m'a poussée, mais je sais ce qui m'a fait m'y accrocher. Et c'est... la volonté de dire des choses, pas par la tête, l'intelligence, enfin si, évidemment, l'intelligence, toujours, mais je veux dire par d'autres moyens, pour toucher le cœur des gens et le mien par la même occasion. Petite, vous avez fait de la danse, c'est ça, de l'équitation ? Oui. Et vous avez fait du chant ou pas ? C'est non, après. En fait, c'est vraiment. J'avais besoin d'argent adolescente et je suis allée dans un piano bar qui s'appelle Les Trois Maillets à Paris et j'ai inventé que j'étais chanteuse pour le faire. Donc vous avez commencé en fait sans jamais avoir pris de cours de chant et ça c'était avant vos cours d'art dramatique. Oui. Comme le théâtre, pareil, je suis arrivée à une audition en fait. Et, en fait, c'est que des. C'est, je rentre dans des rôles et après je deviens cette chose-là et. Ça passe ou ça casse, mais c'est un challenge et j'aime bien ça. Dans votre musique, vos textes, donc vous écrivez vos textes. Oui, avec Nina Scali aussi, qui m'aide à l'écriture. C'est plutôt sombre. Oui. C'est ça, ce cri, vous poussez, c'est ça aussi. Oui, souvent je me dis j'aimerais bien écrire des choses plus joyeuses, mais même ma mère, elle comprend pas, elle me dit « mais pourquoi tant de violence ? Je comprends pas, ma fille ». Et c'est vrai que quand on me voit, on me dit pourtant t'es lumineuse, t'es super. Mais justement, je crois que ça sert à faire une catharsis, quoi, l'art. Et c'est vrai que ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'on montre, c'est différent. Et ça sert vraiment en fait à faire une catharsis. Je crois que. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de haine, de. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Et en fait, on a besoin d'extérioriser. Et je pense que l'art, c'est une des meilleures manières et les plus saines aussi de le faire. Les rencontres d'Edonia Radio. Je n'ai plus.
des hommes, ils en font des tonnes. Je sors tous les soirs, c'est le défilé. Mon cœur te pardonne, c'est moi qui résonne. Efface notre histoire. Edonia Radio. Et dans vos chansons, votre musique, donc ça va être un mélange de jazz, de hip-hop, de plusieurs styles de rock un peu. Enfin, moi j'ai trouvé le concert un peu rock. En tous les cas, dans votre attitude à vous, vous allez comme ça piocher dans différents courants. Ouais, bah en fait, comme je vous disais, c'est rentrer dans des rôles. En fait, ça tout part d'une imitation pour moi. C'est comme quand t'es en soirée, tu sais pas danser, t'es en boîte de nuit, mais en fait tu vois quelqu'un qui fait un move et tu l'imites et d'un coup ça devient ton move quoi. Et tu le feras de façon jamais comme l'autre. Donc on est toujours influencé par quelqu'un. Alors vous avez été influencé par qui au niveau musical? Bah, moi j'écoutais beaucoup Ella Fitzgerald, mais aussi les rappeurs comme Népal. Je suis très fan de Népal, tout ce qui a du flow en fait. Voilà, après, au niveau des textes, bah, rien à voir. Je suis fan de Fernando Pessoa comme poète. Et les textes classiques, évidemment, Shakespeare. Voilà. Après, au niveau de la musique, évidemment, des musiques traditionnelles, orientales, Mariam Hassan, et des chants traditionnels juifs aussi. Voilà. Donc, c'est un mélange un peu de tout ça, entre tradition et modernité. Edonia Radio. Mon amour. L'amour a une sale gueule, arrivé au bout du bout. Y'a toi et un jeune, trop jeune, trop fou. Je t'aime encore, je t'ai jamais aimé. Trop jeune, trop fou. Je t'aime encore, je t'ai jamais aimé. T'as tout quitté pour moi. J'ai fini par te quitter. Quitte à ce que tu me détestes, moi. On s'est kiffé, on s'est aimé. Toi, tu me menaces pour me garder. Je reste de glace, oui, ça va chauffer. J'ai pas ton time, mais faut s'oublier. Je t'aime encore, je t'ai jamais. Derrière ta colère, mon cœur chiale. Pas de peine, trop de rage. J'ai pas tout à l'heure, faut s'oublier. Je t'aime encore, t'es là. Fais le tour, t'es sur le seuil. Comment te dire, t'écrire, mais qu'on est tout seul face à toi, face à nous. Je fuis pour me confronter face à moi, face à tout. A-t-on fini de s'aimer? Tu t'es brisé pour moi. J'arrive pas à t'effacer. Frappé parce que tu me renvoies. On s'est passé mais c'est terminé. Toi tu me menaces.
de glace, oui ça va chauffer. J'ai pas ton temps mais faut oublier. Je t'aime encore tes années. La rose, la rose. Derrière ta couleur, mon cœur chiale. Pas de peine, trop de rage. J'ai pas tout à l'heure. T'expliquer, répliquer, je veux être libre, vivre libre de m'en aller. T'es comme une rose perdue à Eden, une épine dans la veine. Sans ta jalousie morbide, sans ton inquiétude du vide, sans prise de tête. Sinon, c'est un coup de tête. Derrière ta colère, mon cœur chiale. Pas de peine, trop. Les rencontres d'Edonia Radio. Dans votre gestuelle, alors, en fait, ce que je vais faire, c'est pas bien parce qu'on passe notre temps à comparer les artistes à d'autres artistes, mais voilà. Moi, dans votre gestuelle, hier, j'ai trouvé sur scène, j'ai retrouvé un peu des Rita Mitsouko. Oh, très belle. Dans votre. Un peu de Catherine Ringer, dans. Vraiment dans la. Oui, dans la gestuelle. Bah, c'est marrant que vous me dites ça parce que j'allais reprendre, en fait, Marcia Baella. De bah, base. Faut le reprendre. Ouais. J'allais faire un mélange de Marcia Baella et de Alain Souchon, Allô Maman Bobo. Je l'ai pas fait niveau timing, mais c'est marrant que vous me disiez ça. Bah, ça me va très bien, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que oui, c'est vrai que j'ai jamais écouté de rock, moi, en fait. C'est vraiment un truc d'attitude et je crois que c'est le nouveau rock un peu, c'est un peu, je dirais que c'est un peu le hip-hop, même si maintenant ça se commercialise de plus en plus et c'est ça la culture populaire pour moi. Mais de base, comment c'est né le hip-hop, enfin, il y avait cette chose de rébellion, ça vient de la rue et on fait par nous-mêmes en fait. Mais les Rita, ils avaient choses, ça hein, voilà, au début, hein, voilà. La provocation de Catherine Ringer, le langage du corps est très important dans votre concert. Oui. Et alors, on sent la danseuse, on sent que vous maîtrisez parfaitement. Ça, je sais pas. En tout cas, ça s'exprime comme ça, ouais. Enfin, j'ai besoin, en fait, de. En fait, je crois qu'aujourd'hui, et moi, c'est ça que j'aime, c'est que. En fait, le hip-hop, par exemple, ça parle aux tripes pour moi. C'est vraiment un truc, c'est tu bouges malgré toi et bah, ça fait du bien d'extérioriser. Mais il y a aussi le cœur qui est là pour. Justement, parler aux ancêtres. À plus grand, à élever. Je pense que c'est vraiment un mélange entre voilà, les tripes et le cœur. Ava Baya, merci. On se quitte en écoutant votre titre Buggé et on va suivre votre carrière qui s'avère, j'en suis sûre, très prometteuse. Dans ce miroir sans fenêtre, il fait si noir, putain. Il y a des couleurs dans ma tête. Ça ira mieux demain. J'ai le cœur qui déborde, mais je sais pas trop de quoi. Sans s'enrouler la corde. Je suis prisonnière, prisonnière en moi. Et je la sens qui monte cette colère aux mille visages. Tu sais, moi j'en ai honte, tu la vois pas toi ma cage. Et je la sens qui me démonte, ça fait un mal de chien. Mais si on fait les comptes, tu sais moi, je vais bien. C'était quoi la question déjà? Désolé, j'écoutais pas. Je tourne en rond, ça va pas enfin, je crois. Mais pourquoi? J'ai bugué. C'était quoi la question déjà? Désolé, j'y arrive pas. Mes pensées, elles se voient pas. Je vais les gueuler. Au pays du chagrin, où pas de problème de sécheresse. De mes larmes poussent des roses, ça pique, ça me blesse. Mais si ma tristesse fait que tu te reconnais, si ça te fait du bien, alors c'est pas pour rien. Quand je regarde à côté, je me dis que ça aurait pu être pire. Malgré mon cœur mal formé, j'ai encore la force de rire. Je fais un pas sur le côté et je vois le soleil. Tout est pour le mieux. Et je le sens qui monte mon espoir aux mille visages de
moi j'aurais plus honte. Je vais la casser ma cage. Et je le sens en moi, l'art devient ma réponse. Et doucement j'y crois, je me dis vas-y, fonce. C'était quoi la question déjà? Désolé, j'écoutais pas. Je tourne plus en rond, ouais ça va, enfin je crois. Fini de bugger. C'était quoi la question déjà? Bah du coup répète-la moi, mes pensées se voient pas. Je vais les gueuler, les gueuler, les gueuler. Aucun son qui sort pour parler, mais pour chanter, moi je crie avec des notes. Oh, oh. Après la pluie vient la tempête, mais la tempête oh qu'elle est belle. T'auras peut-être mal à la tête, mais ton envie qu'elle sera belle. Après la pluie vient le sourire, et ton sourire oh qu'il est beau. Allez, allez, viens, on se tire. Après la pluie, on se jette à l'eau. C'était quoi la question déjà? Désolé, j'écoutais pas. Je tourne plus en rond, ouais, ça va, enfin, je crois, fini de bugger. C'était quoi la question déjà? Bah du coup, répète-la moi, mes pensées se voient pas. Je vais les gueuler, les gueuler, les gueuler. Aucun son qui sort pour parler, mais pour chanter. Moi je crie avec des notes. Oh, oh, oh. J'ai bugué. Edonia Radio.